et 30 partout. 30 all. Ben voilà un cadeau qui donne une balle de break à Lecomte. 30-40. C'est un peu essayer le tout pour le tout là. Un retour en revers le long de la ligne, ça leur aurait permis de mener 2 à 0. Égalité. First service. Lendl. Game Lendl. Eh bien, Lendl a passé ce cap parce que malgré tout, il y avait une balle de break contre lui. Il l'a bien passé, revient donc à un jeu partout. Au service Lecomte. Life. 15 à rien. C'est un passing le long de la ligne comme ça qui avait sauvé Lendl contre Carnet, mais il l'avait réussi là. On constate pour l'instant que Lecomte gagne beaucoup plus facilement son service. Il a déjà réussi 4 aces en 2 jeux, c'est tout de même une moyenne absolument remarquable. Alors que Lendl était un peu à la peine puisqu'il a une balle de break contre lui. Je le répète, il est beaucoup plus lent à se mettre en action en général et encore davantage sur le gazon. Mais pour lui, l'essentiel, c'est de ne pas perdre son service, c'est de tenir toujours, d'éviter cette rupture.
Martina Navratilova, elle, a entamé son match sur le court numéro 1, où la jeune Australienne Balestrat mène par un jeu à 0. Alors que je le répète, il y a un set partout entre Yarid et Hedberg. Ça, c'est un quart de finale du simple messieurs. 2-1 pour le compte au service Lendl. Vous voyez, il y a des alternances de nuages et de soleil. C'est un peu un temps variable que nous avons sur Londres, mais apparemment pas de menace de pluie. Quinze à rien. Trente à rien. Quarante à rien. Et là, Henri Lendl, Henri Lecomte ne parvient pas à faire le moindre point. Par conséquent, deux jeux partout. Le match n'a pas encore véritablement démarré. Pas encore beaucoup d'émotions. On s'observe. Pas un passing réussi, pas de coup de génie pour le moment. Ils sont assez tendus, ces deux adversaires. Il l'avait touché quand même, Lendl. On va revoir. On a eu cette volée très croisée. Et Lendl qui arrive à toute allure et qui parvient à la toucher, mais qui ne peut pas la redresser suffisamment. Par conséquent, 30-0. Ce sera le premier passing shot réussi de la rencontre. 30-15. On revoit, c'est le deuxième passing dans cette final, rate pas Ivan Lendl, 30 partout.
40-30. 40-30.3-2, voyez le score, personne n'a perdu son service jusque-là. Mais on notera tout de même, il est intéressant dans le jeu que nous venons de suivre, ces deux passing shots de Lendl, parce que c'est un attaquant le compte, c'est clair, mais ce n'est pas un grand volleyeur. Alors il faut réussisse le point à sa première volée, sinon alors il est littéralement crucifié au filet. Vous avez vu un gros plan là du public, du soleil maintenant, mais il fait beaucoup moins chaud qu'il y a deux jours, et surtout le taux d'humidité est moins élevé parce que c'était difficilement supportable. Mais enfin, on ne va pas se plaindre de l'arrivée de la chaleur. Au service, Lendl qui a mené 3-2. Quinze à rien. Cette fois, c'est au tour de Henri Lecomte de réussir un passing 15 partout. Ça use bon retour coupé et ensuite c'est le passing classique. 15-30. Rien à faire contre cette volée, 30 partout. Quarante-trente, balle de 3 partout. En dépit de deux beaux points gagnants de Lendl, pas d'émotion néanmoins dans ce jeu. 3 partout.
Le compte au service. Love 15. 0-15. Leur tour était bon le long de la ligne, mais le compte a bien anticipé. 15 partout. Bien servi, 35. Partout, c'est la première double faute du match. Espérons qu'il y en aura moins qu'hier, où Lasek et Gomez nous ont donné quelques échantillons. Lasek faisant notamment trois doubles fautes d'affilée qui lui a coûté le gain du premier set. Mais voilà qu'il s'y met, alors deux d'affilée, 30-40. Hier, il en était le bénéficiaire des doubles fautes, parce que c'est Gomez qui les commettait. Égalité. Très amusant comme échange. Ils étaient les deux un peu pris, mal pris, à mauvaise distance, et puis c'était uniquement un coup de réflexe acrobatique. Et au bon moment, il assure un aise, 4 jeux à points. Oui, il serait dommage à ce niveau de jeu que ce soit des doubles fautes qui fassent la différence. On souhaite au contraire que voir les joueurs réussir des points gagnants s'ils veulent faire le break. Et c'est tant mieux pour le compte qu'il ait pu revenir ainsi, car il était menacé, il y avait une balle de break contre lui à la suite de ces deux doubles fautes consécutives. Vous voyez là Tony Roach avec sa petite casquette blanche. C'est l'ancien champion australien. Avec la petite amie d'Ivan Lendl, qui est à gauche de votre écran. Et Tony Roach a été finaliste ici même en 1968 contre Rod Laver. Je me souviens très précisément de cette finale. C'est la première fois que je venais à Wimbledon. Ça fait maintenant 20 ans d'affilée que je reviens sur ce central, et c'est pour ça que le visage de Tony Roach m'a rappelé quelque chose, entre autres que le temps passe.
Lendl au service. Il est mené 4 jeux à 3. Love 15. 0-15. Il n'a pas été très adroit sur cette volée. C'est le troisième ace de Lendl contre 5 à Lecomte. Premier échange de fond de courte avec une belle accélération de Lecomte. 40-30. Pas encore une demi-heure de jeu, 4 partout. Bien des aces, quelques jolis échanges, mais l'égalité absolue. Et Edberg vient de gagner le troisième set contre Yarid par 6-1. Rien. Rien.
35-75. 30-15. Encore en est, le sixième de Lecomte, 45. Game Lecomte. Ah, c'est sérieux, hein. Alors, 5 jeux à 4. Lecomte leads 5 games to 4, first set. Alors 5 à 4 dans le premier set de ce quart de finale. Je vous le répète, dans le quart de finale qui a commencé plus tôt sur le court numéro 2, Stefan Edberg mène 2-7-1 face à Yarid, 4-6, 6-4 et 6-1. Alors que Martina Navratilova mène contre la jeune Australienne Balustrade, qui n'était pas tête de série, par 5 jeux à 2. La jeune Suissesse Zardo, Manuela Zardo, est tessinoise, qui est championne de Suisse, mais qui dispute là le tournoi des juniors, a gagné son match hier contre une Irlandaise, O'Brien, par 6-0 et 6-1. Et elle jouera aujourd'hui contre une tête de série, l'Australienne Paulus. Mais ce match aura lieu plus tard. Un jeu à 4 pour Henri Lecomte au service Lendl. Vous voyez en gros plan les jambes de pur sang. Ce retour était bon, on va le revoir. C'est rare des doubles fautes chez Lendl. Partout. Là, c'est pas parti dans la bonne direction. 40-30, balle de 5-5.
c'est un jeu partout. Thirty love. Quarante à rien. On m'indique à Genève que le bruit ou le sifflement que vous receviez et qui gênait le commentaire a disparu, c'est tant mieux. Game of Conte. Et pendant ce temps, Henri Lecomte n'a pas fait le détail. Gagne ce jeu blanc. C'est vraiment le genre de premier set typique à finir au tie-break. Il y a eu en tout et pour tout deux balles de break, une au deuxième contre Ivan Lendl, une au septième contre Henri Lecomte qui avait commis deux doubles fautes. Et puis ces balles de break ont été gagnées avec beaucoup d'autorité, sans aucun doute possible. Ce qui nous vaut la situation de 6 jeux à 5 et l'assurance pour Lecomte de disputer pour le moins un tie-break. Alors que Martina Navratilova a remporté le premier set contre Miss Balestrade et qu'elle est menée 1 jeu à 0 dans le second set. Et maintenant c'est à Lendl à servir pour chercher à obtenir ce 6-6 qui lui permettrait de disputer le tie-break. Lendl prend tout son temps. Il doit avoir un cil dans l'œil. On va prendre les jumelles et voir ce qui se passe. Partout. Bon retour sur une deuxième balle de service, pas assez appuyée. Thirteen, fifteen.
35. Cinquième ace de Lendl. Ah bien. On va revoir. La volée n'est pas assez sèche. Et puis c'est un très bon retour. Un bon passing le long de la ligne. 30 partout. Le compte, c'est l'homme des 7-5. Il a gagné 3 fois 7-5 hier. On revoit. Deuce. La volée était difficile, la balle était basse, mais alors là, il rate l'impossible, Lendl. Manque de souplesse. Égalité. Advantage, Lendl. Balle de 6 partout pour Lendl. Game. Six games all, first set, tie break. Et maintenant, le premier instant de vérité de ce quart de finale, le tie-break. Le premier qui arrive à 7 points. Le compte va servir une fois, puis ensuite chaque joueur sert deux fois d'affilée. Une nouvelle fois, cette volée est déficiente. Elle n'est pas mauvaise, mais enfin, elle n'est pas assez sèche. Et sur une volée comme celle-là, il doit faire le point. 2-0. Le 2-1 le compte. Le compte. 3-1 le compte. Le compte, mais c'est Lendl qui sert maintenant. Ah, il vaut mieux passer la première balle dans les tie-breaks.
3 partout. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Il avait la bonne largeur du court devant lui. Il n'avait pas besoin de frapper si fort. On change de côté tous les 6 points. Quiet please, ladies and gentlemen. Quiet please. Thank you. Lendl. Retour raté de Lendl, 4 partout. Lui aussi l'a expédié n'importe où. Lui aussi, on se demande ce qu'il a bien voulu faire. 5-4 le compte. Ils sont pas très décontractés. C'est moins qu'on puisse dire. Ça devient sérieux. Celui qui va faire le point aura une balle de 7. Lendl, balle de 7. Double faute et 7 jeux à 6 pour Ivan Lendl. C'est assez incroyable comme les choses vont dans le tennis. Hier, Henri Lecomte a eu une balle de match contre Andrés Gómez et Gómez a commis une double faute. Ici, Lendl a une balle de 7. Contre Lecomte, mais c'est Lecomte cette fois qui fait la double faute. Alors on ne peut pas dire au terme de ce premier set que la tactique ou le jeu d'un des joueurs est prévalu sur celui de l'autre. Ce sont des impondérables, des petits riens sur des balles importantes qui ont fait la décision. Mais c'est quand même bizarre de constater qu'un homme comme Lecomte est capable de réussir 7 aces pendant le premier set, mais qu'il n'en passe pas un pendant le tie-break. C'est vous dire qu'on joue un tie-break différemment des autres balles, on est plus tendu, c'est vraiment la minute de vérité.
Et cette minute de vérité a été fatale à Henri Lecomte, qui est mené 7 jeux à 6. Le deuxième set avec Ivan Lendl au service. Second set, Lendl to serve. Okay. Love 15. Quinze partout, on est loin des échanges entre Pernefort et Connordière. C'était un autre tennis. Évidemment, je jouais les deux au fond du court parce que Connors est un attaquant de fond de court. Mais les échanges étaient absolument fous. Second service. Ah ben elle a juste touché le filet. Alors encore une seconde balle. Trente-quinze. Et un ace sur une seconde balle. 40-15. Bien, on pouvait s'attendre à voir Lendl remporter le premier jeu de ce set. C'est maintenant qu'on va voir comment Henri Lecomte a digéré son erreur de tout à l'heure. Parce qu'entre perdre un tie-break parce que l'adversaire a fait des points gagnants superbes, puis on perd son tie-break 7 points à 4 ou bien 7 à, même 7 à 5, c'est pas la même chose que de le perdre sur une double faute. Ça porte un coup au moral et on verra si Lecomte a digéré tout cela. Je pense qu'il doit l'avoir digéré parce que on dit dans la règle qu'il est assez insensible à ce genre de choses.